Comme chaque opération, tout commence par un petit briefing. L'objectif, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de personnes dans les massifs forestiers qui sont interdits, d'une part. D'autre part, qu'il n'y a pas de circulation automobile sur les pistes ou hors piste. Tous les week-ends, des passionnés de moto tout-terrain ou de quad se donnent rendez-vous sur le plateau du Sioublanc, dans le massif de la Sainte-Baume. Ce qui est interdit déjà, c'est d'aller dans les forêts, dans les massifs forestiers. Et ensuite, la circulation des véhicules est également interdite, effectivement. Et actuellement, avec la période de confinement, c'est encore plus interdit. Allez, on embarque. Ce panneau, que l'on appelle B0, matérialise l'interdiction absolue de pénétrer avec un véhicule moteur. C'est à la croisée de plusieurs pistes qu'une partie des effectifs va attendre. On fait une sorte de, entre guillemets, de NAS. On essaie de positionner des équipes à des endroits bien stratégiques pour pouvoir arrêter en toute sécurité les motos. La brigade motorisée, elle, parcourt la forêt. Sa mission, rabattre ceux qui pourraient fuir. Et la technique fonctionne. Première à se faire prendre la main sur le guidon, un jeune homme. Vous ne pouvez pas circuler ici, c'est circulation dans le milieu naturel. On va prendre votre identité et on va vous relever l'infraction pour la circulation dans le milieu naturel avec votre moto. Et ce sera combien de l'infraction ? On va vous dire tout ça. Confinement, pas confinement, la protection de la nature perdure malgré le Covid-19. Et l'accès en forêt est interdit aux véhicules, voilà, sauf pour les propriétaires et ayant droit sur ces terrains-là. Une amende de 135 euros. Mais une fois que l'ONF a verbalisé, deuxième sanction, des gendarmes cette fois. 135 euros à nouveau. Vous n'avez pas fait d'attestation. Donc vous allez être verbalisé également pour cette infraction. Il avait d'autres infractions sur la moto, sur les interdictions en général. Et on a vraiment fait preuve de tolérance. Voilà. C'est pour avertir et puis pour faire passer le mot également aux collègues qui viendraient, qui auraient l'envie de venir faire du motocross. En quelques heures, au total, 10 contrevenants, comme ce jeune homme, ont été interpellés et verbalisés.